Ok, bonjour, bonsoir les amis. Bienvenue dans cette vidéo qui, pour vous, va durer peut-être une dizaine, peut-être 20 minutes, on sait pas. Pour nous, elle va durer... Oula, un bon 4 heures minimum, ouais, je pense. Plus 4 heures aujourd'hui, on a demain aussi. Aïe, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Les amis, je me suis lancé ce défi, c'est de faire des trick shots. Parce que sur YouTube, évidemment, on en a vu plusieurs. On a vu Michou, Joyker, on a vu tout le monde le faire. Moi, je ne l'ai jamais fait. Et j'ai envie de le faire, les amis. J'avais envie de casser mon crâne, de relever des défis. C'est bien, je donne envie aux gens. Là, ça donne grave envie, mec. C'est parfait. D'accord. Vous allez voir, de toute façon, les trickshots, ils sont pas aussi communs que d'habitude. On n'est pas une balle de ping-pong, paf, on lance dans un verre, c'est niette. Nous, on a voulu vraiment se faire chier, pour le coup. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Mettez un gros pouce bleu, plein de cœurs aussi dans les commentaires, peut-être. Je sais pas, j'essaye. Hein. Les amis, c'est parti pour le trickshot numéro 1. Les amis, premier trickshot, j'ai du PQ. Mais il y a surtout... J'ai déjà fait des pains de coupe. Ah, bouge pas, je vais le lancer, je vais leur montrer parce que moi j'ai le one shot, tu vois. Le lancer dedans. Alors, je suis assez loin. On dirait peut-être pas sur la caméra, mais on va faire un test de pas. Allez, ça fait 1, 2, et on est à 3 mètres plus ou moins. Oh, c'est directement dans ma bouche, mec, regarde. Oh, dégueulasse. T'as de beaux sushis en tout cas, ils sont stylés. Hein. Merci, mec, je le sais au saumon et au. 14h50. D'accord. En combien de temps tu estimes que je vais réussir ce trickshot? Moi, je pense que t'es un mec un peu chanceux, tu vois. Non, talentueux, peut-être. Je pense plus une question de karma. Bon, bref. En vrai, moi, je vais rester positif pour ton cas. Avant 16h, tu l'as mis. 1h10. Moi, je dis que honnêtement, dans 20 minutes, c'est plié. Ah ouais, rien dans 20. Dans 20 minutes, c'est plié, on enchaîne et on... Ok, tu vois ce que je veux dire? Vas-y. Du coup, il y a Alexandre qui va être là au début pour me cadrer. Ensuite, ça dépend le temps, mais il va sûrement poser la cam. De toute façon, dès que tu partiras, tu prépareras le suivant parce que je vais les enchaîner, tu vois. Bien sûr. Les amis, premier trick shot. Du coup, c'est parti, il est 14h50. Premier essai. Tu crois que j'y étais presque? Mais t'as voulu me détruire là, c'est tout. Bah non. Il n'y avait pas d'autre objectif, je crois. Bah non. Mais c'est pas comme ça que je dois faire. Bah non, c'est. Bah en fait, j'essaye déjà différentes strats, tu vois. Ah, bah j'ai fait doucement, j'ai fait fort, maintenant je vais faire avec le yep, tu vois. D'accord. Non, mais c'est vrai que j'ai plusieurs techniques en tête. C'est que première technique, la classique, c'est tu prends et tu lances. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que c'est ça qui doit rentrer dedans. Et c'est que j'ai trouvé une autre technique dans la tête, c'est que si je le prends comme ça, hop, je le lance tout droit, il y a moyen que ça fasse... Mais une troisième technique, c'est qu'ils utilisent ça au football américain. Tu vois, ils lancent et en fait, ils font tourner en même temps pour que la balle, tu vois, parce qu'elle est un peu ovale, oui, ils la font tourner comme ça. Bah du coup, ça a pas marché avec du PQ. En vrai, ça reste assez ouais, droit. Pourquoi hein. pas, pourquoi tu vois pas. Ce que je veux dire? Bah vas-y, hein, c'est parti, en vrai, faut que j'enchaîne là. En vrai, je crois, mec, je crois en 5 minutes, ça va être fait. Ah bon, vraiment? Non. D'accord. C'est pas une mauvaise technique, en vrai. Mec, c'est fou. Hop là, mec, en plein dedans. J'ai menti. Non, ça, j'avais une autre technique, mais je crois un peu farfelue. C'est que je lance comme ça et je le fais tourner. Tu vois, je me dis qu'avec la force... Centrifuge, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, si, je vois un peu. En fait, il y a plein de stratégies, pas toutes les bonnes, mais on verra. En fait, c'est parce que je sais que comme ça, précision, 6 sur 10. Comme ça, précision, 9 sur 10. Mais pourtant, précision de rentrer dedans, ça, c'est 9 sur 10. Et inversement, ça, c'est 5 sur 10. Faudrait trouver un truc qui trouve l'équilibre. Ouais, c'est ça, faut un peu des deux. Comme ça, je vais l'essayer. Non, il est trop loin. Qui était presque, mais tu le sais. Tu sais que t'es le meilleur, d'accord? Moi, je fais aussi cette vidéo pour me challenger, d'accord? Pour montrer qu'il faut jamais abandonner et qu'on peut tout réussir, même si ça prend du temps, de l'énergie, du courage. Si je le mets, j'aurai aucune émotion, d'accord? Aucune émotion, c'est normal. Aucune émotion. Non, pas la tristesse. Non, je ne sois pas triste. Ça l'a démarré le bail. Oh, mais frère, je vais le lancer chez le voisin tant que je suis là. Alors je crois qu'il y a un moment où je vais saturer. Je crois qu'il y a un moment en fait où je vais pas mal réussir. Je vais être très très proche et après ça va être la décadence, ça c'est sûr. Et mal. J'ai un pull, je vais l'enlever, d'accord? Parce qu'il commence à faire chaud. Une chaleur de réussite, je crois. Ah frère, on y est. Oh, il a un hit. Il a un hit juste là. Je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire qu'on y était presque, là. On baisse pas les bras, on y va à fond.
déjà fait des trickshots dans ta vie. Rappelle-toi sur MW2, tu faisais comme ça, puis paf, tu faisais un petit Titanic, c'était facile. Ah putain. On se rapproche, je le sens. Ah, je le sens, je le sens. Non, c'est maintenant que je vais le faire. T'es mal, le hitmarker là, juste là, et de l'autre côté. Oh, il a broken le truc. Non, mais on se rapproche, on a cassé le truc, putain. Le truc, c'est que je dois réussir ça pour pouvoir sortir de la pièce. C'est ça, et c'est ça qu'il faut se dire. Allez, tu as besoin de sortir de la pièce. Hop, là, tu sortiras un autre jour. Hop là. Là, tu vas mourir de faim, là, je reconnais. Ah, j'ai lancé mon fuck. Oh, on y est tellement presque, frère, regardez. Ça a explosé le PQ carrément. Tellement on y était presque, ça veut dire qu'on a touché le carton là à l'intérieur. Je suis nargué. Nargué par du PQ, c'est fou. Hey, on se concentre. C'est nul. Oh non, j'avais dit 20 minutes là, ça fait 20 minutes là. Non, mais le temps, pourquoi il passe vite là? Je veux juste voir si c'est possible. Non, fais chier, c'est pas possible. Bon allez, c'est parti pour une phase de tryhard. Let's go. Oh, il s'est enfoncé dedans, il est ressorti, non? Comment ça, c'est du nargage? Je me fais nargager. Je me fais narguer par le truc. Ouais, ça y est, la GoPro, frère. C'est bon, on a plus besoin de toi, là, maintenant. Besoin de faire ton intéressante. GoPro, va. Non, non, je crois qu'il est pas validé, les frères. Oh non. Non, les frères, il est pas validé, je vais vous montrer. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez, en fait, je crois qu'on va pas le valider parce qu'il est là-dedans. Il est tout simplement... Il est pas dans le trou. Mais je l'aurais validé, moi, si c'était que moi. J'ai le démon, c'était satisfaisant. J'ai destroy son mur, les frères. Allez, t'as déjà fait des trucs plus durs, là. Plus dur mentalement que de louper des trucs. T'as déjà été dans l'eau parce qu'elle était froide. T'as été comme un bonhomme. Tu peux faire des trucs, allez. T'as déjà mis ton lait avant les céréales, bien sûr. Tu peux le faire, ça aussi. T'as déjà mis des chaussures sans chaussettes, juste parce que tu devais aller. Allez. Tu peux le faire, mec. T'as déjà dit bonjour à une personne que t'aimais pas. Tu peux le faire. Je vais craquer les frères. Mais ça y est là, voilà là là. J'ai atterri sur la cam carrément. Il était dedans, frère. Oh les frères, il était dedans. Non, je sais pas si je le valide. Allez, on se démotive pas, même si j'ai une forte envie d'aller me faire foutre là. Ah ouais, si, je vous jure. Je suis revenu avec des munitions. J'ai sous-estimé le bail, frère. J'ai pris 15 minutes de pause. On est reparti là. Il m'aura fallu une pause de 15 minutes et une minute d'essai. Oui, les frères, il est dedans. Il m'a fallu une minute après une pause de 15 minutes. Il fallait que je reprenne mes esprits, tu vois. Mec, je l'ai fait en combien de temps? Je l'ai fait en 1h08. Enfin, les frères, je vous assure que mon cerveau, il était en train d'exploser. Alors que c'est que le premier trickshot, je suis dépité. Je sais pas combien d'heures va durer ce tournage, frère. Et mec, ça va être une dinguerie. Écoutez, je vais directement enchaîner parce que là, faut que j'enchaîne. Tu vois, maintenant que je suis sûr de la réussite, faut que j'enchaîne. On va passer au trickshot numéro 2. C'est parti. Les amis, on est au deuxième trickshot. On va regarder l'heure parce que c'est un peu la base, tu vois. Il est 16h28. Juste devant moi, j'ai une barre, j'ai un cintre ici et je vais lancer ce cintre. Donc voilà, je lance. Et le but, c'est qu'il arrive à venir s'attacher, à faire comme ça, mais ne pas tomber. Non, mais en gros, il doit rester accroché et il ne doit absolument pas tomber. Et du coup, c'est parti. Il est 16h28. C'est parti pour le trickshot, quoi. On a pas mal de munitions cette fois-ci et du coup, c'est parti. Là, j'y vais, là, je balance tout ce que j'ai, là. Et après, je regarderai c'est quoi la meilleure strat. Attends, on n'a pas fait d'estimation. Moi, j'estime à... Maintenant que j'ai fait le premier en 20 minutes, tu sais, je dirais en 40 minutes, je le finis. Moi, je dirais au moins 50 minutes. 50 minutes. Et vous, dans les commentaires, en combien de temps vous pensez que je vais le faire? Est-ce que vous aurez réussi plus rapidement que moi? Jamais de la vie, je pense pas. Il y avait de l'idée, hein. Tu penses que c'est comme ça que je devrais faire ou plus, tu sais, un truc classique? Là, il se faisait un truc un peu, il y a eu un impact.
tout ramasser. Hein. C'est vrai qu'il y a ça aussi, putain. C'est ça que j'ai oublié dans le trick shot, c'est qu'il y a aussi tout ce côté où on doit tout ramasser, où c'est relou, on perd du temps en fait. Faut que je prenne plus mon temps pour éviter de faire ça plein de fois. Et on prend son temps, je répète. Hein, pas trop non plus, hein. En vrai, faut pas que j'oublie que j'utilise mes muscles et que je crois que je ne vois absolument pas la fin. Ouais, je pensais que ça allait être plus facile, tu vois, mais en fait, non. Hein. Bah... Non, mec! Oh, c'est si frustrant! Mec, tu sais que je pensais que j'avais fini là? Tu sais, ça y est, t'avais dit ta petite phrase et c'était bon! Ah, je sais. Bah voilà pourquoi on en a pris des différents, au cas où. Parce que regarde là, le Miskin au sol là. Là, il est tout triste là, il a perdu sa tête. Les amis, je sais pas si vous voyez l'heure, mais il est 16h39, donc ça fait à peine 10 minutes et on a déjà eu une belle tentative. Donc les 40 minutes sont jouables, même moins, je dirais. En tout cas, c'est ce qu'on espère, quoi. Allez. Tout le monde vient voir. Hein. Tout le monde est abasourdi par... Et tout le monde part très vite. Bizarre. Ouais, tout le monde part très vite. Ils ont compris après deux lancers que c'était pas la peine de rester. Allez, on y va. Oh là là, gars, je l'ai vu vraiment en gros plan, c'était beau. Mec, moi aussi, je l'ai vu en gros plan. Pas besoin de zoomer, hein. Comme quoi, c'est pas les plus beaux lancers qui font les... C'était si long. Oh, le temps il s'est étiré, j'ai cru que ça durait une heure. J'ai envie de rentrer chez moi maintenant là, j'ai envie d'aller sous ma couette. Mec, j'ai envie de rentrer chez toi aussi gros. Wow, ok, waouh. D'aller sous ta couette frère. Ouais, là c'est un peu ambigu. Ah d'accord, pardon. Hop là, voilà, c'est pas grave, t'en as plein d'autres. Vois le futur, pas le passé. Ah là 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 là, mec, on va les enchaîner, hein, les frustrations, c'est trop chiant. Je vais faire plus en cloche. Il faut que je choque le muscle, tu vois. Ok. Au-delà du muscle, il faut que je choque la barre. Faut pas qu'elle s'attende à recevoir un truc, tu vois. D'accord, je vois. Tu penses à la psychologie, là. Si, tu penses... Bam, tu vois. Elle se dit non, il vient pas. Et baf. Tu vois, elle s'y attendait pas. Je suis presque habitué maintenant, tu vois. Je suis moins frustré. Ouais, t'as vu, on est moins... Ok, on reprend. Allez, hein. Putain, il peut potentiellement durer plus de temps que l'autre, en vrai, putain. Mais oui, en vrai, je me rendais pas compte. Je pensais qu'il était un peu plus simple que l'autre. Et moi aussi, frère, j'ai le démon. Oh, lui, il est cassé, lui. Ta gueule, gros. Oh là là, c'est fou, mec. Ta gueule, frère. Sur un « il est cassé ». Sur un « il est cassé », le seul lancer que j'ai fait différemment. Ah oui, c'est fou, mec. Bien, mec. Il est enfin rentré. Les amis, on dirait que je suis en prise d'otage là. On va passer tout de suite demain au trick shot. Les frérots, c'est une fin de journée pour nous, on a fait que deux trick shots. Attends, il est quelle heure? Il est 17h37, c'est-à-dire qu'on a mis plus ou moins 50 minutes. Et t'avais dit 50 minutes. C'est vrai, attends, mais ça fait deux fois d'affilée que je... Mais, bravo. Bon bref, je suis un boss, mais... On va passer au trick shot numéro 3, c'est parti. Mec, c'est fou, gros. J'ai eu une chatte. Tu sais, j'ai dit, celui-là, il est cassé. Je l'ai lancé comme as. J'ai fait, oh, est-ce que c'est bon pour vous? Les amis, trick shot numéro 3. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que c'est que cela? Tu vois, ils l'ont dit. Écoutez, j'ai des feuilles. Juste ici, j'en ai plein. J'ai un escabeau. Et j'ai surtout une broyeuse à papier. Ça va être quoi le but, à ton avis? De mettre ta main dans la broyeuse à papier pour qu'elle se déchire et qu'elle... Quoi? Mais la main, c'est chiant. Je la perds et tout. Relou, frère. Ah oui, c'est vrai. Oui, inutile. Non, c'est que je vais te montrer un peu. Et là, je le one shot, frère. Je suis l'homme le plus heureux du monde. C'est que tout simplement, je vais devoir prendre cette feuille de papier et. Et durer très très longtemps. Tu estimes à combien de temps cette fois-ci? Très honnêtement, en sachant que bon, sans me vanter, hein, j'ai eu bon deux fois d'affilée. C'est vrai, bah tu te vantes, hein. Je pense que celui-ci va vraiment sincèrement durer minimum 4h30. Mais j'espère que t'auras fou pour aujourd'hui. Et il est quelle heure là, la VAR vous avez? Il est midi 45. Il est midi 45. Moi j'estime que je fais ça en 30 minutes. S'il te plaît, frère. Mec, c'est pas une estimation, c'est ce que j'ai envie, frère. C'est ce que j'ai envie. Là, non, 30 minutes, mais je suis un fou, moi. Ça veut dire que là, à 13h15, ça va être fini. Bon, allez, c'est parti. Pour lancer des feuilles de papier dans une broyeuse, quoi. En plus, j'ai toujours rêvé d'avoir une broyeuse. T'en as déjà eu une, toi? Non, bah, j'ai jamais eu l'utilité, pour être honnête. Ah, pareil. Je trouve que cet objet est fou. Ok, écoute. Voilà, c'est ton kiff. Bah oui, c'est mon kiff. Et tu vas faire quoi maintenant? Bah non, je juge pas, y'a aucun problème. Mais si tu juges là. Bon, allez, si t'y parles, les frères. Bon, le but c'est que je tende le bras et que. J'ai failli le one shot là, frère.
Putain, j'ai failli le one shot. T'as fait me one shot là, tu fais bien. Mais... Oh, il tombe droit de fou. Ouais, j'avoue, là, je suis en train de remettre en question mon 4h30, mais... Bah, tant mieux, moi, ça me fait plaisir que tu te remettes en question les 4h30, frère, t'imagines? Je vais changer de couleur, c'est peut-être la couleur qui allait pas. Ah, je crois que j'aimais bien le violet, hein, au final. Mais tu sais que je suis super mal mis, là, il y a mes genoux qui cognent contre les marches. Et j'ai mal au dos. En vrai, il faut vite que je finisse celui-là, je crois. Oh non, là, ça va saouler, frère. Là, il commence à faire des zig-zig-zig, là. Bah, ça doit même pas faire une vingtaine de feuilles que j'ai mal au dos, quoi. Oh, je l'ai vu atterrir dedans, frère. Et si j'enchaîne... Non, il faut que je jette une par une, faut pas que je triche, là. De toute façon, il n'y a pas de triche depuis le début, en vrai. Et ça, je m'impressionne, c'est que je ne triche pas. C'est pas impressionnant, c'est normal. Mais si, parce que... Oh, le PQ, toi, t'étais pas là, mais moi, j'ai réussi 3 fois dans ma tête, hein. Ouais, mais non, mais ça mais marche si. À moitié. Non. Non, mais toi, j'aimerais bien te voir en train de faire ça. Bah, et... si tu veux. Oh, gars, en vrai, j'étais pas si loin, je crois. Vas-y, les yeux fermés. Allez. Oh, c'était pas si mal, hein. Allez, bon, on enchaîne, là. Putain, mais je pensais que c'était plus facile que ça. Bah, vas-y, reste sur mon pied, je te dirai rien. Hop là. C'est quoi, pour la peine, je te relance et je te mets dedans, d'accord? Mais quand on va entendre le bruit où ça fait... Oh là là, c'est satisfaisant. Mec, c'est une dinguerie. Wesh, je vous ai tué les frères. J'ai atterri en plein dans la cam'. Oh, sa grand-mère. Oh, le missile Predator qui a atterri, frère. Oh. Eh, je pense que ça va être les roses, hein. C'est mes copains, là, je le sens. Il est quelle heure, là, s'il vous plaît? 12h58 en moins de 15 minutes. Tiens, je les mets tous. Ben non, c'était le move de trop. Ben, en combien? En moins de 15 minutes, hein. Mais la satisfaction, surtout que ça se finisse vite pour une fois. Mec, je suis dépité, c'est incroyable. J'ai même pas eu à ramasser une seule feuille. En moins de 100 feuilles, j'ai réussi à faire ça. Je suis content parce que j'ai gardé la bonne hauteur tout le temps. Je n'ai pas triché sur le tendre le bras vers le 1. Mm-hmm. Ça, c'est niet. Je suis vraiment super heureux. Écoutez, on va passer tout de suite au 4e trick shot. C'est parti. Oh. Il y avait un mur, hein, il y avait un mur de... Ah mince, attends, je la fais toute seule alors. Les amis, 4e trick shot, j'ai... comment on appelle ça? Des fléchettes, frérot. Mais si, bah oui, c'est ce que je t'ai dit, des fléchettes, t'es con, comment tu peux oublier ça? Je vais me placer à plus ou moins une distance de 4 mètres, donc juste ici. Je te jure, c'est 4 mètres précis, hein. Ah ouais, vraiment? Si, si, je te jure, je fais des calculs et tout, quoi. Je suis à 4 mètres de la cible et mon but, tout simplement, ça va être de, hop, lancer. Et de le mettre, évidemment, dans le centre. Toucher la cible, c'est facile. Le mettre dans le centre, déjà quand c'est au mur, c'est super compliqué. Alors là, en plus, j'ai même pas la notion de distance, tu sais, je vois pas bien. Je vois juste un rien au sol, tu vois. Parce que, tu sais, je vois un peu comme ça, en diagonale. Donc, ça va être compliqué. Tu estimes à combien de temps, toi? Bon, la dernière fois, j'étais peut-être... J'ai un peu abusé, on va dire. Ouais, je crois que t'as abusé. Celui-là, vraiment, je le considère vraiment, je pense, comme le plus difficile. C'est vrai. Après, c'est... Bon, celui-là, c'est le deuxième plus difficile. Ah merde, donc là, le dernier, c'est, pour toi, c'est le plus ouais, dur. Pour moi, largement. Ok. Moi, je dirais franchement, en 45 minutes, j'ai réussi. 45 minutes, moi, je dirais en 1 heure. Bah écoutez, les amis, il est 14h16. Donc moi, je dirais à 15h, c'est fini, c'est bon, c'est ciao. C'est parti. Premier lancé et réussite directe, hein, en plein milieu. Tu sais, ça, regarde. Bah, en vrai, au moins, déjà, tu touches la cible, ce qui reste oui, oui, c'est vrai. Je retire tout ce que je viens de dire. Non, mais c'est super respectable de toucher la cible. T'as un mec, j'y crois de fou. Oh, attends ta gueule, gros. Oh putain. Attention, hein. Mec, de mon point de vue, c'était en plein dedans, frère. Allez, bah, on continue, c'est parti. Hein. Non, c'était dedans, non? Je peux avoir un ralenti là-dessus, Alex? Ouais, vas-y. Merci, c'est super. Pour le mois, c'est ça, c'est ça. Non, oh non, mais arrêtez l'effet de perspective là. Allez, dis-toi que plus vite tu réussis, plus vite tu rentres chez toi, jouer à Rocket League et passer champion, d'accord? Voilà, là tu penses à Rocket League, frère, yes. Voilà, là, non. Oh non, mais la perspective, frère. Oh. Non. Il est 53, donc ça fait maintenant plus de 35 minutes et j'avais dit 45 minutes, donc il me reste 10 minutes pour tenir parole. Bon, on verra, hein. Je vais faire une pause, je crois, sinon je vais vriller, je suis en train de rager.
Il est cassé lui, nique sa mère. Bon les gars, je vais faire une petite pause. Là, ça fait 42 minutes. Je fais une pause de 10 minutes. Là je vais vriller, là je suis en train de rager premier degré. Les amis, on a mis 42 minutes avant et je reprends, il est 15h21. 15h21 donc on y retourne quoi. Là de toute façon on connaît les pauses, c'est grâce à ça que je vais le mettre direct. Je fais un 3x20 quand même. Ah mais je suis carrément dans le verre en fait, putain encore. C'est trop pour me frustrer là. Encore une fois frère, mets un second replay, je te jure. J'en ai ras le cul. Non, c'est sûr, c'était en plein dedans, là. Je casse pas mon père, hein, qui a créé la gravité, là. Parce que je la gère pas de ouf. Il y a de l'idée, mais je suis pas à 100%, quoi. Elle est dedans. Non, c'est dans le verre. Arrête de me mettre des feintes, frère. Je suis dedans? Non, je suis juste au-dessus. Tu vois la perspective? Ah, de là où j'étais, j'ai cru que t'étais. Eh oui, la perspective, elle fait chier. Écoutez, si vous êtes youtubeur ou youtubeuse, je vous lance un défi. Tous les trickshots que je réalise dans cette vidéo, vous les fassiez vous aussi. Moi, vous avez toutes mes tentatives, vous avez tout, surtout le temps. Faites cette vidéo, mentionnez-moi dedans. On verra si vous êtes vraiment meilleur que moi. Parce que vous faites les malins là en commentaire, c'est sûr. Moi, je vous lance vraiment un défi. Ça y est, je crois. Enfin les frères. Si il est dedans, alors là on peut pas me le dire là. Ça fait que je sais plus, mais ça doit faire plus d'1h30, on doit être vers 1h40. Les frérots, les sœurettes, j'ai réussi le quatrième. Il nous manque plus que le dernier, c'est parti. Pour le cinquième trickshot et le dernier trickshot de cette vidéo, d'accord? Et de ma vie j'espère, si vous êtes pas trop chaud dans les commentaires. Allez. Les frères, on est au dernier. Le taux de motivation, évidemment, il a descendu, mais on est au dernier. Je vous explique. Peut-être que vous allez trouver que je suis proche de cette tube de colle. Mais je vous explique le tout. C'est que je vais devoir tout simplement faire ça et que ça reste sur le tube de colle. Vous allez me dire... C'est pas difficile. Tais-toi. Parce qu'il y en a deux d'affilée à faire. C'est-à-dire que lui, il va être fait en un seul bond. Et le deuxième, il va être fait en deux bons. Et tout ça, ça doit être d'affilée. Écoute, c'est parti, frère. Là, plus j'attends, plus je peux ne pas réussir. Il faut savoir que la table n'est pas si droite. Les balles de ping-pong, elles sont juste jolies. Elles rebondissent, mais tranquille. Je dis quand même 45 minutes, je suis à fond, je crois en moi, mec. Moi, je dirais avant 18h. Regardez, il est 16h52. C'est parti pour commencer. Donc là, tu estimes à 1h10. C'est ça. Ok, allez, c'est tipa. Là, ça, c'est ça. Ça, il va y en avoir, tu vois. Frère, j'aurais voulu le one shot. C'est pas le premier qui est dur, c'est d'enchaîner les deux, tu vois. Bon, le premier est quand même complexe, quoi. J'ai peut-être eu beaucoup de chance. Ne bouge pas. Deux. Tu sens la longueur maintenant? Ouais, là, je la sens vraiment très bien. Ouais, je la sens aussi. Hein. Faut pas que je craque mentalement. Je dis de moins en moins de choses parce que ça fait mal, les frères. Tu sais que j'ai une courbature tout là parce que tu sais, le premier c'était lancer à chaque fois un mouvement régulier, un peu fort. Mec, j'ai vraiment une courbature sa mère. Tu sais, je me suis réveillé hier, je suis. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai pas été au sport depuis 2 ans, tu vois. Je me dis, comment ça j'ai mal? Putain, ça va être long, je suis chiant. Pourquoi je me donne autant de mal, frère? Oh non. Mec, j'avais fait les deux bons et tout, il avait juste à faire à quoi ça sert. Tu sais à quoi ça sert? Non. Mais ça sert à coller. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi il a pas collé, frère? Gros, j'aurais pu faire fermer des bouches là et tout. Monsieur Macron, réforme 49, c'était le vrai. Pardon, ça n'a rien à voir. Non, mais au moins, là, tu viens de créer de l'espoir. Non, là, je viens de créer de la haine. Mais quoi? C'est de la haine, frère, que j'ai... C'est possible. Non, j'ai la haine, frère. Gros, franchement, genre, je l'ai eu, genre. Ça avait juste à se terminer là, comme ça, en bien. En mode, waouh, t'as été trop vite, mec. C'est fou, j'ai la haine. Oh, je l'avais vu dedans. Et tu crois que les gens, ils s'en rendent compte que c'est difficile? Moi, je crois pas. Je pense qu'il faut essayer pour... Et là ils disent, mais t'es à côté, t'es tout près, franchement c'est de la merde. Niet, non. Hein?
Non, ben non, là tu m'as mis une feinte là. Désolé, hein, l'humeur et la bonne humeur de cette vidéo se dégrade au fur et à mesure, mais vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne, bien sûr, on se rapproche des 2 millions, vous imaginez. Reste. Ah ! Pardon. Excusez-moi, c'est réflexe de. Je crois que dans ma vie antérieure, j'étais un yinche. Et je crois un petit yinche un peu chiant là. Monsieur Robert ? Ouais, je crois. Ça c'est bien. Allez, c'est ici. Eh oui, en. Oh. Elle tient, je m'en bats les couilles. Elle tient plus, je m'en bats pas les couilles. Allez. Oui, putain, yes. Oh les frères, mec, je sais pas quoi dire. Sache que je suis heureux, cette vidéo a été si longue en tout. Plus ou moins 3h45 de tryhard. Hein. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo, s'il vous plaît. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voulez voir comme trickshot. Envoyez-moi d'ailleurs sur Insta les différents trickshots que vous voyez sur TikTok. Moi, je vous dis ciao.